Nous avons été site pilote, donc la primo-vaccination première vague a eu lieu les 8 et 9 janvier et nous en sommes là la deuxième vague des primo les 27 et 28 janvier ainsi que le rappel de la première vague. Les infirmiers au préalable se sont entretenus avec les résidents de manière à leur présenter la vaccination, en quoi cela consistait, comment cela allait se passer. Il y a eu un préaccord de recueilli et ensuite les infirmiers ont informé les résidents que les médecins traitants allaient venir effectuer la consultation prévaccinale. Alors, il y a eu deux cas de figure, ceux emballés dès la première vague, et donc qui avaient hâte d'être vaccinés, et les seconds qui étaient un petit peu plus réticents et qui ont changé d'avis totalement après avoir vu leur collocataire vacciné. À mon avis, la difficulté un petit peu qu'on a eue, c'était sur les consultations pré-vaccinales. Donc, ce serait peut-être bien d'étendre aux infirmiers la possibilité d'effectuer ces consultations. Alors, en effet, moi, j'ai été vaccinée en primo début janvier et là, je vais effectuer mon rappel. Il me semble que c'est important aussi d'être vaccinée parce que ça permet de mettre une barrière à la progression de la pandémie.